Et si l'OM remportait la Ligue Europa? Et Méché met bel et bien comblé. Les supporters de l'OM peuvent exulter. Ils remportent pour la seconde fois de leur histoire une Coupe d'Europe. Grâce à un but du Minot, Max Lopez en finale contre l'Atlético, l'OM se réveille enfin et retrouve les sommets. Ah bah je commençais à m'inquiéter, j'ai cru qu'il s'était endormi. Impressionné par la performance des Phocéens en finale d'Europa League, Antoine Griezmann refuse finalement de rejoindre le Barça et s'engage en faveur de l'Olympique de Marseille. Dites-moi pas que c'est pas vrai. De quoi rendre Rudy Garcia complètement dingue. Côté parisien, la pilule a du mal à passer. C'est quoi ce merdier là? C'est quoi ce bordel? C'est quoi cette merde? Et Nasser promet aux fans d'investir plus de 900 millions d'euros sur le prochain mercato. Désormais convaincu du projet marseillais et à l'âge de 40 ans, Didier Drogba fait enfin son grand retour et forme un duo surprenant avec Antoine Griezmann. Prochain objectif, une deuxième Ligue des Champions. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. À la prochaine !